Et bonjour à tout le monde, on se retrouve pour ce que je pense être le 8e épisode, mais je suis pas sûr du tout, franchement. Alors, dernier épisode les gars, c'était compliqué. On a battu des corsaires, ça devient de plus en plus compliqué. On a vu que la reine, cette pute de reine des locustes, était toujours vivante. Donc voilà. Donc c'est peut-être elle alors la boss finale du jeu. Donc on va continuer cette merde. Pour voir ce qui va se passer. Là on est direct en plein bourbier ici. Il est 2h10 du matin les gars. Donc comme pour la vidéo précédente, j'essaie de pas trop crier. Je crois que les voisins m'entendent. Hein. 2h du mat. On est jeudi en plus. Donc demain les mecs, les gens travaillent. Moi je suis en vacances donc je ne travaille pas. Mais voilà. Je reprends le lundi. Malheureusement. C'est la vie, c'est comme ça. On n'y peut rien. Faut bien payer les factures les mecs hein. Oui, 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 oui. Un bourbier les gars. Un bourbier mais sans nom. Un petit cœur volant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça vole. Mais meurs mon gars à un moment donné. Crevez les mecs hein. Voilà. Qui sont les autres ennemis? Rendez-vous. Attends, rendez-vous à la tour d'atterrissage des barrages de carburant. Fuyez le repère de la mer, évitez la. Putain, évitez la mer carrément. Oh merde! Ouais, s'il y avait ceux-là avec leur putain d'arc à flèche, c'est vrai. Hop, on prend les munitions. On se pose ici. Je pense qu'ils sont tous morts. Hein. La porte s'est ouverte. On prend les grenades incendiaires. J'aime pas mal hein, les grenades incendiaires en vrai. Un boomer ou ça? Vous voyez ça où les gars? Ah ok, là. Il a envie de crever hein. Ça c'est pas... Ça a vite très bien fait hein. Oh non, pas les trucs volants. Putain, et si je... Chien niqué hein cela. Il bouge dans les airs, c'est chaud. Bon, t'as une tourelle là-bas. Pas mort. Putain, ça devient de plus en plus chaud les mecs, franchement. Il est mort. T'en casse-toi. Ça devient un bourbier. Mais de ouf. Ok, petite munition, ça fait plaise. Ouais, cette pute de reine. Ouais cette salope. What the fuck, le mec ici, comme ça. Petit coquino, va. Wow. Mais gros. Mais. Okay, mais. Bon. Allons, creuse dans la gueule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller là-bas. Très bien. Une porte ici. Hop.
Marcus, c'est pas étonnant que la reine contrôle tout ça. Ouais, comment ça? Mais c'est bizarre, c'est pas une locuste, elle, hein. D'une manière ou d'une autre. C'est pas une locuste, donc c'est un peu bizarre que celle qui gère tout ce merdier. Ok, donc une munition, on a gogo, hein. Quand on a besoin, mon ami. C'est la tour d'atterrissage. Une histoire. Ouais, alors on va grimper là-haut. Allez, hop. Dernière chance de choper notre putain de billet de sortie. Qui va nous frôler? Paré à l'abordage? Oui. Paré à l'abordage. Faire quoi? Défendez contre l'assaillant barge du... Vous tirez sur quoi, mec? J'ai bien compris, hein. Putain! C'est les gardes directs de la reine, en fait. Oh mais allez frère, putain de merde, t'as crevé frère. Bordel, on est pas assez prêts pour choper. Oui 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 oui. Et je ramasse mais je sais pas d'où, hein. Première fois des fils de pute qui arrivent là. Il y a Lanzor ici, ça c'est stylé. Enfin je récupère mon arme, putain. Quoi? Je croyais qu'il était vivant. Ça tombe bien. Il y a encore des mecs là. Ouais, il s'est fait exploser la gueule. Ok, on peut monter mais il va falloir niquer les mecs. On les a tous eus. Oh mais qu'est-ce qu'on est fort les gars. On fiche le camp maintenant. Allez par-dessus bord mon ami. Vas-y Berbe, à toi de jouer, okay, mon mesdames gars. Et messieurs, si vous regardez par la fenêtre, vous verrez embusqué la con... belle cité historique d'Anvegan. Pas beau tout ça, dites-moi. Même Sam dit que c'est paumé. Et c'est de là qu'elle vient. Alors Mira doit retenir ton père, Marcus. Et elle sait que je viens à son secours. Mira. Merde, t'es sûr qu'on suit toujours le cap? Écoute, ici il y a des tourelles. Acte 2, encore à l'acte 2, wow. Le jeu va être beaucoup plus long que les autres. C'est des plaines d'Anvegan. Merde. Quand est-ce qu'on sera à portée radio dans Villegate? Apparemment, on est à mi-chemin. Oh, j'espère qu'Hoffman nous aura fait du café. Ah ouais, et des cookies aussi. On a mi-chemin seulement? Pouah. Je pourrais pas être à la place de ces gars. Je fais tout ce que je peux pour les repousser. Quelqu'un m'entend? Ici, Trump 54. J'ai besoin d'aide tout de suite, sans quoi je suis foutu d'avance. Mais c'est qui? Dites-moi pas que c'est pas vrai.
C'est Dizzy? Wow, Dizzy, celui-là avec le chapeau, comme moi. C'est Dizzy? Ça fait longtemps. T'as pris une barge au large? Bon sang, Marcus, t'en as une sacrée paire. Sacrée paire? Bordel de merde! On va te débarrasser de ces là. On dirait qu'ils portaient quelques munitions. On n'aurait pas la même idée. On les plombe et on verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde ce truc, je croyais que c'était une mitraillette. Ça c'est fait. Allez, cassez-vous. Voilà mon gars, on est là Dizzy. Voilà. Ouais, c'est bien lui, je me disais bien. C'est bien le mec au chapeau. Dizzy. Ça faisait longtemps, je pense, hein, qu'on le voyait pas. On l'a vu au 2, mais encore le, dans le 2, on l'a vu vite fait. Sauver Dizzy. Ouais, les gars, je baille un peu, 2 heures du mat. Pas évident, c'est pas évident. Mais là je profite pour tourner à max que je suis tout seul, comme ça je dérange pas ma copine ou quoi en criant. Comme ça après j'ai mon petit stock de vidéos et je peux vous poster ça au calme. Tiens canard. Ils sont résistants ceux-là, hein. Putain avec les armures là. Hein. Wow, oh non, Arriver, oh putain, ça faisait longtemps. Je me rappelle de ça, Arriver, les gars, comment ça faisait longtemps. Pouf. Ah, ils sont résistants, hein. Voilà. Faut pas me tester, mon ami. Boom. Ok, c'est quoi ça? Fumigène, non, fumigène c'est de la merde. Je garde une petite grenade incendiaire, y'a rien de mieux. De ce putain de Dizzy. Lanzor. Putain, des boîtes de munitions partout hein, chez eux. Hop, casse-toi. Ah, il restait plus que celui-là. Ah, il est là, je le kiffe ce mec, il est trop stylé, regardez. Il a du flow, hein. Avant que ces satanées larves se pointent. Je venais de tomber sur un stock quand ces crevards sont arrivés. Il est tout seul en plus. Dizzy, viens chercher Hoffman. La dernière fois qu'on t'a vu, vous alliez tous les deux à Anvil Gate. Ouais, il a vachement bien aménagé le fort. Moi, je bourlingue pour échanger des vivres avec les autres camps. Enfin, quand j'arrive à échapper au lard. Bourlingueur. Mais il a toujours le disque de Prescott? Celui que j'ai jamais réussi à décoder? Il nous le faut vraiment. Bien sûr, et ça le défrise toujours d'ailleurs. Pourquoi? Est-ce que vous avez trouvé le sésame? On t'expliquera. Là, on prend les munitions et on se tire. Dizzy les gars, il est là. Faut styler ce alors mec. Là, je dis oui. Wow, c'est quoi ça, caverne d'Ali Baba mon gars. On prend tout ce qu'on peut transporter et on retourne à la barge. Mais j'ai déjà tout au max en fait. Donc en vrai. Hein. Ça tombe bien. On va prendre les grenades à fragmentation. Ouais, tout le reste j'ai déjà hein, en soi. On prend ça avec au cas où. Allez. On y va. Récupérer des armes et des munitions, mais c'est ce que j'ai fait. Je les ai. Ok,
Mon ordi a plus de batterie, les mecs. 2 secondes, sinon il s'éteint. Bon, en espérant qu'on leur dit bug pas. Parce que j'ai l'impression qu'il bug bien. Hein. Bien. Attendez. Je pense que ça va, mais j'ai l'impression qu'il est lent. Putain, fait chier. Bon, je termine l'épisode et puis après, ensuite, j'arrête. Parce que dans tous les cas, il est 2h du match, je suis un peu crevé. Wow, bien vu, mec. Ouais, je me fais rafaler, là. Putain, ils sont blindés, hein. Putain, je rêve où il y a un corsaire là. Un river. Il est holo one shot. On va choper ça, hein. Non. Tiens. On a un coup, mon ami. Encore un. Allez. Dégage un peu. Encore. Et toi aussi, casse pas les couilles. Et lui, c'est comme ça. On est trop fort, les gars. On est trop fort. Il y a encore un river là. Allez, hop. Il y en a encore un sur le toit. Putain, heureusement, j'ai pris ce one shot, hein. Putain, si on devait niquer tous ces rivers juste avec des munitions normales, ça va être la merde. Et bien voilà. Merci. Eh bien, on a éliminé toutes les buses. Toutes les buses. Ok, alors on se tire tant qu'on peut. Tous à la barre. Tous à la barre. On s'en est bien sorti quand même, franchement. Je suis fier de nous. Dizzy. Il est stylé, Dizzy. Amène-toi, Baird, tu pilotes. Je pilote que dalle, moi. J'admire la vue, et j'espère que le programme de navigation fonctionne. Rien à carré, bonnet blanc, blanc bonnet. Allez, on se tire, les gars. Oh, ça sent la merde ici, hein. Ouais, c'était sûr, mec. Tout ça. Chapitre 7, acte 2. Mais ils sont les ennemis. Ah, ils sont là. Oh, je peux pas là. Attends, mon gars, attends. Casse-toi, Cole. Laisse-moi gérer ça. Putain, fait chier. Elle tourne en rond. Vas-y, mec, barre-toi. Voilà, cassez-vous. Putain de river de merde. Il y a encore une barge. Super, toute une flamme aérienne de la Ranotos.
des coordonnées. Putain de merde, je les touche pas. Ok, je l'ai eu. Putain, on les a tous défoncés, hein, par miracle. Putain, je comprenais rien. Je pigeais plus rien à ce qui se passait, là, mec. Heureusement, les barges, ça se détruit vite, hein. Wouah, c'est quoi tout ça? Ils sont blindés. Oh non, des rivers, des... Ah, c'est la reine. Non? Ouais. Suivez l'attaque de la tempête. Wow, c'est quoi ça? Merde! C'est la reine! Sale pute! Mais c'est... Ah, il a une armure et tout, son monstre là. Putain de merde! Oh, ça va être impossible. Putain de merde. Voilà, plus de barre. Putain, cette pute de cette reine est forte en vrai. Je te dis ça dans une minute. L'Odizzy. Ah, c'est Hoffman. Phoenix, qu'est-ce que tu fous ici? Une armée de larves s'approche, mon colonel. Tirons-nous et je vous expliquerai tout. Très bien, Ansel. Avertissez le fort. La zone va grouiller de larves. Colonel Hoffman. Il est stylé lui aussi. Ça fait un bail, Phoenix. J'imagine que t'as pas fait tout ce chemin juste pour voir comment j'allais. Non, on a quelque chose pour vous. La clé du disque de Prescott. Tiens, et moi qui avais perdu tout espoir de décrypter ce foutu disque. Ouais, il contient les informations sur l'endroit où mon père est emprisonné. Azura, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire, emprisonné? J'ai reçu un message de mon père. Il est bien vivant. Prescott l'a fait kidnapper. Dieu tout puissant. Et tout ça est expliqué. Putain de Prescott. Tu as trouvé la clé. Prescott me l'a donné aujourd'hui. Juste avant moi. C'est un fils de pute. Ah, acte 3, chapitre 1. Insurpassable. Eh bien, Phoenix. CGU. Je sais absolument pas. En ville guide, Fantasia, CGU. Et c'est une première pour moi. Contact. Des larves aux portes. Ah ouais, c'était sûr. Ils ont une armée, mec. Accueillons nos invités et je vous raconterai tout. En ville gate. Chargez, retrouvez-moi à l'entrée. Sur ma chienne de vie. Jamais je les laisserai prendre sur ce port. Sur ma chienne de vie. Attrapez une arme et rejoignez la porte d'entrée. Bernie, c'est pour toi. Je t'occupe de la sonnerie. Ils sont où? Ok, ce sera fait. Putain, mais j'ai même pas pu voir arriver. J'en avais jamais vu autant ici. Je crois qu'on les a mis en pétard. On est tombé sur la reine. Elle est vivante ? Nom de Dieu, Phoenix, t'as encore beaucoup de surprises de genre à m'apprendre ? Putain, ils ont été vite, mes potes, ils ont disparu.
sert à rien ton écran de fumée de chiasse là. On les nique. Putain, je peux pas prendre une tourelle moi en vrai. Putain, il y aurait bien trop de munitions. Wouah! Putain, c'est un putain de river. Putain, merde! C'est pour vivre. T'as des rivers dans tous les sens. Mec, casse-toi cette tourelle. Vas-y, bouge là! Allez. Personne, mec. Regarde, comment c'est facile. Lui là sur la tourelle, il tire pas. Allez les gars, putain, il y en a beaucoup. C'est tout qui surchauffe là. Putain, il meurt pas. Wow, c'est qui là? Putain, il meurt. Ah, mais il y en a beaucoup. Nous on est genre que 5. Sont tous les autres là de la CGU. Qu'est-ce qu'il y a? Après on monte là-bas. Ah, y a des mecs qui sont rentrés. Putain. Et puis que vous autres côtés, je m'occupe du mien, hein, faites pas chier. Oh non. Pas de catapulte, mon gars. Putain, ils sont en train de tout détruire. Ils ont détruit. Non. J'espère qu'il y a des tourelles là-bas. Wow. Mais casse-toi! Je croyais qu'ici les défenses étaient impénétrables. Hey, Mexey! À l'époque des guerres mondiales! Le rayon de l'eau est opérationnel, mon colonel? Le bon machin d'entre eux. Ouais, le système de visée est HS. Ce serait trop risqué. Putain de merde, j'ai plus donné de la tête. Oh là là, quel banc, quelle dinguerie. Putain, j'ai pas vraiment à faire ici. Hein. Trop, ça arrête pas. Mais on va y arriver les gars. Ah, je vais crever. Ça devient complicado. Mort. Merde. Bon, il y en a encore qui arrivent, putain, c'est pas qu'ils pop à l'infini.
Oh, ça n'en finit pas, les mecs. Mais quelle dinguerie. Putain, mais c'est interminable. Mais c'est un enfer, mon gars. J'en ai déjà tué 50. Tout seul. Ah, regardez, je vais crever. Je ramasse des balles en tous les... Putain, non, mais c'est quoi ça? Gagné presque. Allez, butez-les. Putain. Ouais, c'est ce qu'on fait. Mais ils ont invité tout le monde. Trop. Je prends des grenades ici. Moi, je m'en sors pas. Les gars, qu'est-ce que vous foutez derrière moi en fait? Venez. Oh, exagéré les mecs. Putain, il a failli rentrer. Putain. On a dépassé là, je pense. On a je sais pas combien de minutes en plus. Pas qu'il y en a encore, mais c'est pas possible. Je suis à sec. Les gars, balancez des grenades là, j'en ai plus. Il y en a un qui est passé. Merde. Putain. Putain, vraiment ils veulent nous niquer la gueule, hein, il y en a trop. Pas une tourelle ici. S'il y en a, si on a, il y en a. Je vais la prendre. Non, on va pas s'en sortir. Trop de fils de pute. Putain, il y en a combien? Putain, mais quelle mission les gars, c'est incroyable! Putain, je me rappelais pas de ça, mec! Pas possible! Niquer l'autre porte aussi, putain. Mais y'a trop. C'est exact, c'est impossible.
Ah, je suis mort et tout, ouais, nique ta mère. Vas-y, cool. Ah, y'a trop, c'est impossible. C'est pas normal, il spawn à l'infini, c'est pas possible. Putain, mais quel enfer! Ils sont déjà là, ceux-là. Bon, non, enculé, vous êtes. Allez, attention, dernier recours! Je répète, attention, dernier recours! De quoi elle parle avec son dernier recours? Dernier va pousser le réservoir dans la cour. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Merde! Quel réservoir! Ok, il faut l'exploser ça. Mais tout va prendre feu alors! Putain, enfin! Waouh! Mais quelle mission, les mecs! C'était les derniers. Enfin, truc de fou! Truc de fou! Ouais, sans doute juste assez pour enlever l'odeur de larves carbonisées. Mon colonel, posons un peu maintenant. Oh putain! Mais c'est pas croyable! Même venant de ce salaud! La vidéo va être un peu plus longue que prévu, hein, mais je pouvais pas couper. Peut éliminer les lambentes. Est-ce que ça a un effet sur les larves? On sait pas. C'est pas parce que les locustes se transforment en lambentes que ça marchera sur eux. Quoi qu'il en soit, faut qu'on localise Azura. Merde, le rayon de l'aube aurait bien servi. Saloperie. Ça dégomme encore quelques satellites. Mais côté précision, faut oublier. Je peux peut-être arranger ça. Merde. Voilà le disque. Allez, au boulot. Ernie, tu vas pas en croire tes yeux. Ça va devoir attendre, Vic. Quelqu'un s'occupe des coms radio? Sam et Anya sont piégés à l'extérieur du périmètre. Oh. On s'en occupe, Ernie. Allez, les gars. Sam et Anya sont dans le pétrin. T'as quelqu'un pour conduire le pick-up? Quoi? J'ai loupé quelque chose? Le boss va tout te raconter. Garde quand même un œil sur sa tension. Reste calme, respire profondément. Enfin, tu vois, quoi. Bon, on sera en voiture. Prenez un camion pour rejoindre Sam et Anya. Fournissez un tir de couverture depuis le fort. Non, on va prendre le camion. Viens avec moi, Dom. Toi et Bernie, allez là-haut et couvrez-nous pendant que Bert répare le rayon de l'eau. Bernie. Alia, on vient vous chercher. Ça va? Oui, Chase. Bon les gars, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici parce que sinon la vidéo sera trop longue. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire. Et allez vous regarder mes autres vidéos, pourquoi pas. C'était Lucas RT, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bye. Putain, on a galéré, hein. Quel épisode!